Après, nous allons rentrer dans la prédication. Qu'est-ce que le dimanche des rameaux? Le dimanche des rameaux est la commémoration de l'événement. L'événement. Le dimanche des rameaux est le jour qui commémore l'entrée du Seigneur à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Une semaine avant la crucifixion de Christ et Jésus. Nous prenons le livre de Matthieu. Rapidement. Matthieu 21, à partir du verset 11. Verset 1er à 11. Matthieu chapitre. Levons-nous pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, verset de 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus entre à Jérusalem. Amen. Jésus et ses disciples approchèrent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagé, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de la ville de Nazareth en Galilée. » Père, tu bénis cet oracle, que je disparaisse maintenant, que tu apparaisses. Libère ton Esprit Saint en ce lieu. Dans le nom puissant de Christ et Jésus, nous disons Amen. Amen. Viens vous asseoir. Prends Zacharie 9:9. Lève-toi. Zacharie 9:9. Suivez. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Zacharie 9:9. Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Alléluia. Mettez-vous. Fête des rameaux. C'est quelque chose qui est très important. Cette chose a été révélée dans les temps anciens par Zacharie. Par Osée. Par des grands prophètes qui nous ont précédés. Ils ont parlé de ces choses. Même à l'époque de Moïse, ils ont parlé de ces choses. Parce que Dieu avait dit à Moïse, il dit, je choisirai parmi vous, parmi les frères, un qui sera le porte-étendard de mon peuple. Celui qui pètera Israël. Cette annonce qui avait été annoncée par les anciens à l'époque, 450 ans, 500 ans, Zacharie avait parlé. Zacharie avait prophétisé l'avenir du Seigneur avec les rameaux. Des grands prophètes ont parlé, fête des rameaux, elle est significative. Et aujourd'hui, nous commémorons cet événement, le fête des rameaux, un dimanche, les rameaux, dimanche des rameaux. Ça signifie l'emblème de Jésus, ça signifie la gloire de Jésus, ça signifie la persévérance de Jésus, ça signifie la gloire de Jésus.
Mes frères et sœurs, Zacharie a prophétisé, il sera transporté dans la Grèce, fille de Sion, pour des cris de joie, fils de Jérusalem, voici ton roi. Viens à toi, il est juste et sauveur, il est humble et monte sur un âne. Sir Ananès, petite Dinanès. Ce sont des choses qui avaient été prévues. Vous savez, dans les temps anciens, quand Jésus parlait avec les scribes et les pharisiens, ils ont posé la question de savoir à Jésus. Jésus leur a dit, est-ce que toi tu es plus grand qu'Abraham? Parce que nous connaissons Abraham. Toi, on ne te connaît pas. Qui es-tu réellement? Nous connaissons Abraham. Nous connaissons Jacob. Nous connaissons des grands prophètes. Qui êtes-vous d'abord? Et Jésus leur a dit ceci. Avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai été, je serai. À perpétuité, je serai. Ça veut dire Jésus, dans ta vie, il sera à perpétuité. Amen. Jésus sera à perpétuité. Amen. Jésus sera à perpétuité. Amen. Quelles que soient les circonstances, Jésus sera avec toi. Parce que la Bible dit, il est le même. Amen. Hier. Aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même. Il dit aux scribes, aux pharisiens, vous savez que vous ne savez pas. Nous parlons de fait des rameaux. Nous parlons que Dieu avait prédit ces choses. C'est la prédiction des hommes de Dieu qui ont prédit. Esaïe a parlé, Zacharie a parlé, tous ces mondes-là ont parlé. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont prophétisé de Jésus. Ils ont parlé de l'avenir de Jésus. Esaïe a parlé, parce que maître Cyr, nous sommes guéris. Il a prophétisé, il a prédit l'arrivée du Seigneur par les rameaux. Si aujourd'hui nous marchons, marchons dans l'espoir, marchons dans l'esprit de patience, marchons dans l'esprit de victoire, marchons parce que nous avons cette fête des rameaux qui signifie la victoire, triomphe, tu vas triompher, tu vas triompher, tu vas triompher, tu vas triompher, je dirai une sœur. Je vais révolutionner une sœur. Tu vas triompher. Amen. Tu vas triompher. Amen. Tu vas triompher. Amen. On n'est pas là. Tu vas triompher. Amen. Elle est prophétique. La Bible dit Jésus rentrait triomphal à Jérusalem. Et tu vas rentrer triomphalement dans tes besoins. Amen. J'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Jésus est Seigneur. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de Jésus, il savait qu'on les cherchait à Jérusalem. Jésus était recherché à Jérusalem. Pourquoi ces rameaux? La Bible dit à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et toi, je prophétise toi. Dis-moi moi. Moi. Dis-moi moi. Moi. Je rentrerai triomphalement. Dans mes besoins. Triomphalement. Dans mes ambitions. Triomphalement. Dans ce que je veux. Triomphalement. Dans mon travail. Triomphalement. Dans mon mariage. Triomphalement. Sur ma femme. Sur mes enfants. Dans ma vie. Amen. Ils veulent pas, tu vas rentrer triomphalement. Alléluia. Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem. Et qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? Rien du tout. Qui pourra bloquer ce que Dieu a déjà ouvert? Personne. Vous ne parlez pas. Personne. Qui pourrait aujourd'hui bloquer quelque chose que Jésus a prévu de rentrer dans Jérusalem? Il n'y a pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, quelles que soient les choses générationnelles, parce qu'il y a des choses générationnelles, il y a des hôtels familiaux. Mais quand Jésus vient, il va rentrer. Quelle que soit la sorcellerie, cette grande montagne de la sorcellerie, Jésus, quand il dit, il va rentrer triomphalement, il va rentrer. Les sorciers vont fuir, ils vont tomber, ils seront brûlés par les feux. Dis-moi, ils seront brûlés par les feux. C'est écrit. Qui est Jésus?
si ce n'est l'Éternel, qui est Jésus, si ce n'est le Fils de Très-Haut, qui est Jésus, si c'est le porte-étendard, qui est Jésus, si c'est celui qui a apprivoisé le temps. Jésus a apprivoisé le temps, Jésus a apprivoisé le blocage, Jésus a apprivoisé le mariage, Jésus a apprivoisé la sorcellerie, magie, l'occultisme, Jésus a apprivoisé. C'est pas pour nous, on l'appelle le Seigneur des Seigneurs. Vous savez bien qu'un jour, dans l'île de Patmos, c'est Jean qui était aveugle. Qui ne voyait pas. La Bible dit Jean ne voyait pas. Il était aveugle. Dis-moi aveugle. Dis-moi aveugle. Aveugle. Dis-moi aveugle. Aveugle. Mais je ne suis pas aveugle. 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 Dis-moi, je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas aveugle. Quand je regarde. Quand je regarde. Dans les yeux spirituels. Dans les yeux spirituels. Je sais. Je sais. Que Jésus est rentré. Est rentré. Triomphalement. 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 Dans mes besoins. Triomphalement. Dans ma santé. Triomphalement. Dans mon mariage. Triomphalement. À mes besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Omega. Le premier. Le dernier. Le Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Pasteur. La Bible dit, Jean, dans l'île de Patmos, il était aveugle, il ne voyait pas. La Bible dit, il était resté par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Ah, reçois la révélation de Dieu. Amen. Reçois la révélation de Dieu. Espoir, que tu sois révélé. La Bible dit, tout ce qui est caché sont révélé. Alléluia. Tout ce qui est caché sont à l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons m'aimer. Amen. Amen. Donnez-moi plus fort que ça. Amen. Amen. À vos amen, mon maître, dis-moi amen. Amen. Dis-moi alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois, le Seigneur, le Seigneur? Il ne voyait pas. La Bible dit qu'il y a un ange qui vient lui parler. Il dit, Jean, j'ai parcouru la terre. Nous parlons le fait des rameaux. Jean a parcouru la terre. Et nous n'avions rien trouvé. Aucun homme. Aucune femme. Aucun prophète. Aucun évangéliste. Qui pourrait éventuellement rompre les sauts. La Bible dit, Jean a pleuré. Il dit, mais ce n'est pas possible. J'ai servi le Seigneur jour et nuit, pendant la tempête, pendant la nuit, la journée, séjour de chef, séjour de pluie, pendant l'été, j'ai tellement souffert. Mais ce que je fais dans ce monde pour le Seigneur, mais il n'y a personne qui pourrait éventuellement me succéder, mais ce n'est pas possible. Jean a pleuré. Jean a pleuré dans cette situation qui était désastreuse. Toi, tu pleures. Toi, tu pleures. Toi, tu pleures. Et ce que je sais, ce que je sais, tu rentres triomphalement dans cette histoire. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Nous parlons de rentrer triomphant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y a l'ange qui vient papoter Jean sur ses épaules. Ange, elle a dit, baladez. Vous sentez? Amen. Alors, elle dit, balade. Balade. Nemo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'une personne peut dire amen? Amen. J'entends bien, est-ce qu'une personne peut dire amen? Amen. Vos amen, ma maître, ils sont perdus. Amen. Amen. Je me dis, cet ange vient papoter. Jean, si ça ne pas dit, Jean, ne pleure pas. Yom, toleraka. Koléra, l'issusuté. Passe la yo et sili. Amen. 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 Vous comprendrez. Amen. Ange, Azo Silva, on a les pétalomètes, collé la thé, on les limingi, les gamlino et silaka. Les gamlino et silaka. Les lots. Les lots. Et sili. Et sili. Et sili. Et quoi? Amen. Quand on proclame, ne restez pas tranquille. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen. Être béni. Alléluia. Alléluia. Être béni. Hosanna. Hosanna. Acclamez les rois, les rois, les seigneurs, les seigneurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand l'ange a dit à Jean, ne pleure pas, il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un. Pour moi, Bolia, il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un. Vous n'avez pas compris. Pour moi, il y a quelqu'un. Pour moi, Bolia, il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un. Pour moi, pour moi, il y a quelqu'un. Le bas comme il y a quelqu'un. Pour mon mariage, il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Et Jean, la Bible dit, il a prophétisé, il dit, ne pleure pas, Nathan. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Dans ta vie, il y a quelqu'un. Dans ta santé, il y a quelqu'un. Dans ton mariage, il y a quelqu'un. Dans tes besoins, il y a quelqu'un. Dans tes ambitions, il y a quelqu'un. Dans ton travail, il y a quelqu'un. Dans tes intérêts, il y a quelqu'un. Dans ta famille, il y a quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux acclamer les rois, des rois, les seigneurs, les seigneurs. Ne trompez pas, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je viens de mentionner une personne. Il y a quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un. Amen. Même si tu es tombé mille fois, il y a quelqu'un. Amen. Même pas quand tu pleures, il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un. Et si que, écoute cette révélation. Il dit Jean, il y a quelqu'un. Il dit Jean, regarde. La Bible dit, ils ouvrent les yeux spirituels. Il regarde, il voit un cheval. Et là, je dis, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un cheval. Et qui s'est lancé ce cheval dit, il y a quelqu'un dessus. Il y a quelqu'un dessus. Comment s'il est? Il dit, celui qui est monté au-dessus, il a des lances et des chapelots. Il a là le masque à côté. Il vient combattre. Mais ce qui est plus prophétique, dans sa cuisse, il est écrit. Seigneur. Les rois. Des rois. Il est écrit. Le roi des rois. Des seigneurs. Des seigneurs. Il est écrit. Le roi des rois. 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 La sorcellerie, il est écrit. Le roi des rois. La sorcellerie de la famille, il est écrit. Le roi des rois. La sorcellerie du quartier, il est écrit. Le roi des rois. La sorcellerie de la vie, il est écrit. Le roi des rois. Au nom de Jésus. Il est le fils de très haut. Et la Bible dit, Jean était content. Et quand nous revenons la fille, cette fin de rameau, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, la Bible dit, Jésus se prépare de rentrer dans Jérusalem. Il dit, voilà, mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé, je dois maintenant rentrer à Jérusalem. Et pourtant, il était chassé à Jérusalem. Il est recherché à Jérusalem. Atabaluka kande menini Yesu akolongi saelo Atabaluka Yesu alongi siyo Yesu alongi siyo Atabaluka Yesu alongi siyo Amen Alongi si nani 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 Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Hosanna. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Jésus prépare à rentrer à Jérusalem. Dimanche de Rameau. Jésus prépare à rentrer dans l'église. H. De nouvelle cité. Nouvelle cité. Hosanna. Jésus se prépare à rentrer dans l'arche de Noé, nouvelle cité. Et il savait que là, il est l'homme gratin. Jésus ne pourrait pas rentrer dans Jérusalem. Il était homme gratin, il était recherché. Mais comme lui, il a bravé les instructions, il a bravé les lois, les ordonnances, il brave tout, il dit non, je vais rentrer triomphalement, je vais gagner tous mes ennemis et adversaires. La Bible dit Jésus, il l'a perdu de ses disciples. Il dit Nathan, viens. Il dit Gélor, viens. Amen. Il dit allez, vous allez. Allez à Jérusalem. Quand vous
vous aurez parti, vous trouverez un anneau attaché et une ânesse attachée avec. Bouge un peu ta main. La Bible dit, ces deux apôtres, ces disciples sont allés à Jérusalem. Et la Bible dit, quand vous les allez détacher, il y a des gens qui viendront te demander. Vous savez, nous sommes constamment liés. Nous sommes constamment bloqués. Ça n'avance pas. Tu peux faire une affaire, ça bloque. Tu peux faire tes ambitions politiques, ça bloque. Tes ambitions professionnelles, ça bloque. Tu veux créer une petite société, ça bloque. Tu veux aller de l'avant, ça bloque. Tu peux réfléchir autrement, ça bloque. Tout ce qui est à ta possession, elle est bloquée. Amen. Elle est bloquée. Elle est bloquée, mon frère, ma soeur. Tout est bloqué. Mais la Bible dit, Jésus dit, vous trouverez un anneau, une ânesse attachée. Détachez-le. Détachez-le. Écoute cette révélation, c'est pour toi. Si quelqu'un te demande, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'ont laissé, et quand tu as envie d'être sauvé, ils vont demander au Kenaïe, pour bâtir le singa, un mètre. On est à Kakana, un mètre. Ma Kamloka, un mètre. Santena, un mètre. Tu ne peux pas progresser, c'est comme l'esclave. Tu prends l'esclave dans un bassin. Dans la vie d'esclave. Oui, mais bien. Bah, il y a un mot, il y a un mot. Ce qui m'a dit, c'est nous devenons comme des esclaves. Aux 400 ans, ce qui m'a dit, c'est nous devenons comme des. Ça veut dire que Jésus, avec ses révélations, à la rentrée de Jérusalem, à Yébaki, il y avait des anneaux libres. Il y avait des ânesses libres. Mais Jésus a voulu seulement l'ânesse qui était attachée. Afin de montrer sa puissance. Et Jésus aujourd'hui sait que tu es attaché. Tu es attaché comme tu es là. Tu es attaché par coutume. Tu es attaché par la malédiction héréditaire. Tu es attaché par tout ce qui est générationnel. Et Jésus a su que tu es là. Il envoie ses apôtres. Éventuellement, quand ces gens sont arrivés, pendant qu'ils détachaient la note attachée, il y a des gens qui viennent. Ok, Naye, allez à ta, à Sukolaka, Bilo Konoso, à Bozate, Santé Naye, Mbongo Naye, Libara Naye, Bozu Naye, à Kokele Pai. Ce sont des gens qui te regardent. Les gens qui t'ont ensorcelé, ils ne sont pas loin. Ils t'observent. Ils te regardent. Nous allons le voir. Comment est-ce qu'il va se marier? Nous allons le voir. Comment est-ce qu'il va percer dans sa vie? Nous allons le voir. Tous ces commerces qu'il a fait, nous allons le voir. Il a trouvé un travail. Nous allons le voir. Il s'est marié. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Mais Jésus dit, détachez-le. Détaché! Oui. Et ces apôtres, ils ont trouvé, comme le Seigneur avait dit, attaché. Banes Bazaki est belé. Mais il y a son détaché sur les tangama. La Bible dit, Jésus dit, détachez-les, laissez-les venir vers moi. C'est intéressant. Nous rentrons dans cette phase, cramo. Et les gens qui étaient à côté pour dire, non, laissez-la,
On ne peut pas laisser. Il doit rester là. Il doit être cloué là. Tu vas te laver là. Tu vas manger là. Tu vas t'habiller là. Tu vas réfléchir là. Tu vas faire des affaires là. Sur le plan politique là. Tout ce qui sera tout autour de là. Un mètre. Mais Jabez a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me préserves, étends mes limites. Étends mes limites. Et l'anneau attaché, elle a pleuré. C'est comme tu as pleuré tellement longtemps. Mais il dit, déliez-le. Le seul est venu à moi. Les gens ne voulaient pas que tu partes. Mais ces gens aujourd'hui, ils ont cette règle. Dis-moi la résolution. Dis-moi la résolution. La résolution. Dis-moi tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Tous mes adversaires. Tous mes adversaires. Aujourd'hui. Ils ont pris la résolution. Ils ont pris la résolution. Ils ont pris l'option. Ils ont pris l'option. De me libérer. Parce que ça ne dépendra pas d'eux. Parce que ça dépend pas d'eux. Ni de leur force. Ni de leur force. Ni de leur générosité. Ni de leur générosité. Ni de leur zèle. Ça dépend de Jésus. Ça dépend de Jésus seul. Et de Jésus seul. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Libre. Ma santé libre. Qui est libre? Qui est libre? Qui est libre? Moi. Bon, Léa, je suis libre. Et sois béni, Hosanna. Hosanna. Dis-moi amen. Amen. Donnez-moi vos mères, amen. Amen. Dis-moi trois fois amen. 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 Alléluia. Amen. Votre manière de dire amen, amen, constamment. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit, mes frères et sœurs, les mêmes gens, ils t'ont abandonné. Ils ont senti le feu. Parce que la Bible dit, Dieu fait ses hommes. Des flammes de feu. Hein? Des flammes de feu. Parlez, hein? Des flammes de feu. Alors, comme tu es devenu flamme de feu, qui pourra te tenir? Personne. Qui pourra te contenir? Personne. Ils t'ont vomi. A ta bâtiment, c'est à Libamba, au Sanini, au Kobima. A ta bâtiment, en Boké, au Kobima. Babomba, vina, yon, en Zete, au Kobima. C'est la main, au Kobima. Partout. La Bible, ces jours-là, les mêmes gens disent non. Il est temps d'aller au Seigneur. La Bible dit, tes bénédictions arriveront jusqu'à la porte de tes ennemis. Et ils te béniront. Amen. Ils te béniront. Amen. Ils te béniront. Amen. Ils vont te laisser aller. Amen. Aller vers Jésus. Amen. Le même anneau. Le même anneau. Le même anneau qui était attaché. Excusez-moi. La Bible dit, Jésus voulait seulement cet anneau. Et il est monté dessus. La Bible, quand seulement il est monté dessus, cet anneau a eu de la valeur. La roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Même un genre qui le critiquait, même un genre qui disait non, un maître, à vous à la carouane, à vous bouger dans les séjours, la Bible dit, il avait la guerre des. Les mêmes gens disent, va vers le Seigneur, nous te libérons. Parce que si le Fils a franchi, tu es réellement libre. Amen. Et cet anneau Yannis est libre. Amen. Et t'es vers le Seigneur. Amen. Écoute-moi cette paramètre, cette thématique de rameaux. La Bible dit ce jour-là, le même anneau monte sur Jésus. Jésus monte sur l'anneau. Il rentre à Jérusalem. Mon tour va finir qui? Ah, vos athées. Vous n'êtes pas là. Les gens qu'on avait critiqués, les gens qu'on avait hués, on les regardait avec des yeux hautains. Mais ces jours-là, la Bible dit, les mêmes gens, ils ont ramassé les rameaux. Ils ont pris les femmes ont pris des pains. Soit mon goût n'a pas dit moins ça, au sein de la Tanani. Écoutez, vous êtes. Soit moi, si à la moto, ma mère, vous êtes au Tanani. Écoutez, ça, Nini. Soit dans mon bar à Bosani, à Kokata Zamba, Kokata Rambo. Mbang. Tata, les gars. N'a pas eu ma cam. N'a pas eu ma cam.
Azalite. Oh Yahweh. Azalite. Kolo. Oh yo akokani na yo. Azalite. Azalite. Oh yes. Oh Yahweh. Azalite. Azalite. Oh yo alekio na yo. Azalite. 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 Nous allons prier pour cette victoire triomphale que Jésus nous a accordée. Tu vas prier parce que tu es victorieux dans tous tes besoins. Élève ta main. Prie.